Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Pérassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 158 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Breath of the Wild Diamond Normal. J'espère que vous allez bien, écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait exploré de nouveau un petit peu cette partie de la zone, on avait d'ailleurs fixé une nouvelle possibilité d'exploration qui est tout simplement ici. C'est ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui, en tout cas on va commencer, et il nous reste tout simplement que cette portion qu'on avait commencé à longer. On avait d'ailleurs trouvé deux noix Korogu dans cette portion, d'ailleurs c'était justement les deux noix Korogu de l'épisode, donc c'est quand même assez fascinant. Assez fascinant, donc voilà, on va juste se restaurer, voilà, on va lâcher ici et ensuite on va remonter. Alors c'est plus facile pour moi, hein. Alors c'est vrai que là du coup on dépasse rien de la bordure, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir. Oh, what the fuck. Oh, un gardien. Le loup, alors le coyote, je suis désolé pour toi, mais oh, j'ai pas envie de te tuer. Oh, ça me fait de la peine. Oh non. Alors du coup, par contre, toi, alors je suis désolé, hein. De toute façon, on en a besoin. On a besoin de 2 ou 3 cœurs antiques. Donc, je crois que c'est, il me semble que c'est 3 maximum. Donc, on va prier tous les bons dieux pour avoir du coup ce qu'il faut. Donc, on va sauvegarder. Et on va abattre ce gardien-là en espérant d'avoir du coup un cœur antique. Voilà. Donc c'est un gardien à pattes, donc c'est en plus c'est celui-là qui m'intéresse vraiment. Voilà. Oh là. Ah non, mais là les amis, on va charger la partie. Je sais plus du tout comment on parade. C'est violent. Oh putain. En fait, c'est un jeu dans lequel il faut jouer comme Hyrule Warriors Definitive Edition. Vous voyez, tout le temps. C'est un jeu, t'as pas le droit de lâcher en fait. Oh, on a bu la tour. Donc, c'est la tour, à mon avis, de cette zone. Voilà, on a trouvé. Donc, c'est parti. Allez, viens. Allez. Ok. Oh oui. Là, on l'a déstabilisé. Oh, presque. Oh. Vas-y. Attention. Ah. Bon, bah super. Plein dans le mille. Bon, c'est pas grave. Recommencer. Plein dans le mille. Putain, c'est compliqué ces parades à chaque fois. Enfin, surtout que pourquoi ils me one-shot. Je comprends pas pourquoi les ennemis me one-shot. Tous les ennemis, même les petits bokoblins, pratiquement me one-shot. Donc, je comprends pas. Pourtant, on n'est pas en mode expert, quoi. Ok, putain, on l'a presque eu, quoi. Peut-être une dernière fois, ça suffira. Non, même pas. Pourquoi? Là, pourtant, des parades, hein, au bon moment. Vous voyez des choses comme ça, je comprends pas. What the fuck, quoi. On a beaucoup trop de... Enfin, on a pas assez de réceptacles de cœur, les amis. On en a pas assez de réceptacles de cœur. C'est con, mais on en a clairement pas assez, hein. Oui, voilà. Oh, peut-être il faut que je me mette à sa hauteur environ. Non, mais non. Oh, est-ce que je le fais trop tôt? C'est peut-être une possibilité, mais voilà quoi. Je comprends pas, honnêtement. Je comprends pas. Les gens arrivent du premier coup ou arrivent très bien. Moi, ça marche pas. Alors, est-ce que mon jeu est buggé? Je sais pas. Parce que pourtant, j'ai l'impression de faire bien les choses, hein. Honnêtement. Est-ce que je le fais trop tôt? Je n'en sais rien. Non, mais non. J'appuie pourtant pour parade. Hein. Ma foi, les amis. Comment vous dire, ouais. C'est un peu moyen, quoi. Hein, on a vraiment trop peu de réceptacles de cœur. C'est affolant. Mais pourtant, on en a 6, hein, donc je comprends pas. Allez. Mais non. Mais non. Pourtant je vise. Enfin j'appuie quoi. Il met 100 000 ans, vous voyez le truc. C'est chelou. Il met 100 000 ans. En fait je comprends pas. Pourtant je... Ah. Des fois ça marche pas. C'est parce que des fois ça marche pas en fait. Non mais non. Je vois pas ce que je fais de mal. Honnêtement, je le fais pas non plus trop tôt.
Je vois pas ce que je fais de mal en fait. En fait, je vois pas ce que je fais de mal, quoi. C'est ça qui est dingue. Allez. Voilà. Alors, une première fois, c'est déjà bien, mais... Allez, une deuxième fois. Non, hein. Non, non. En fait, je vois pas ce que je fais de mal. C'est con, hein, mais je vois pas vraiment pas du tout ce que je fais de mal. Allez. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut le tenter. De toute façon, faut réussir. Hein. On en rencontrera plein. Y a pas le choix. Hein. En fait, c'est vraiment frame perfect, j'ai l'impression. Ouais, c'est frame perfect, en fait. Putain, trois fois. Ouais, c'est frame perfect en fait. C'est pour ça qu'on a galéré. C'est vraiment frame perfect en fait. Faut vraiment que je comprenne cette logique, hein, parce que putain. Oh, le cœur antique géant. Bon, par contre, j'aurais bien aimé un petit cœur antique, enfin, pour améliorer mon truc, mais bon, tant pis. Tant pis, hein. Attendez, en fait, la sacoche. Bah, on en a que deux. Bon, tant pis, hein. Ok, donc là maintenant. Oh, du coup, on était sorti juste pour avoir le truc, mais. Mais bon. Alors, on explore autour. Et puis après, ben, les amis, on partira en direction directement de la nouvelle zone. Hein. Il n'y a pas le choix. Mais j'ai honnêtement pas compris l'histoire de ce gardien. Ah, vraiment, à mon avis, c'est peut-être frame perfect alors, mais what the fuck, quoi. Comment l'avoir, la frame perfect? C'est bien gentil, mais comment on fait pour l'avoir correctement? Bon, bah, c'est tout, il y a plus rien. Vous pensez qu'il est, il est vivant, lui, là-bas? À votre avis, ça serait bien d'en affronter un autre. Ah, mais là, je m'égare trop. Est-ce qu'il va s'activer? On va tenter, enfin, s'en approcher. Parce que ça serait bien, quand même, qu'on ait au moins des petits trucs sympas. Allez. Dis-moi que tu t'actives, toi. Coucou Pépère. Ah, il a les pattes à moins, donc je pense pas qu'il s'activera. Hein. Non, je pense qu'il est un petit peu décédé. Rouage antique, aussi étrange que cela puisse paraître, ce rouage qui provient d'une machine antique, ne suis jamais, il serait impossible d'en fabriquer avec un avec les technologies actuelles. Alors, vu qu'il a l'air d'être à pattes et assez grand, il n'y en a pas un autre? Non, il n'y en a pas d'autre. Bon, par contre, là, du coup, on s'égare un peu trop. On va, du coup, repartir, les amis, sur nos pas, parce que il faut quand même explorer la suite là-bas. On va quand même profiter qu'on soit un petit peu vers les hauteurs. On va simplement rester à peu près sur les hauteurs pour explorer du coup ben, l'autre partie. Hein. On va tenter d'explorer dans les hauteurs cette partie-là. Et puis après on reviendra tranquillement au milieu de la map. Enfin au milieu de la map, on se comprend, mais en tout cas sur notre parcours initial. Mais ouais, donc écoutez. Alors du coup, deux noix Korogu dans l'épisode précédent. Pour le moment on n'en a trouvé aucune parce qu'on, de toute façon on s'était concentré sur les gardiens. En tout cas sur ce gardien-là, donc ouais. Est-ce qu'on en aura d'autres? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Allez, go. Ok. En tout cas, je le trouve assez charmant, cette zone. J'aime beaucoup. Cet environnement, honnêtement, je la trouve magnifique. Attendez, on va peut-être enfin pouvoir les prendre en photo, ces putains de... Les billes. Ok, les billes glagla comme ça. L'entrée est écrite dans la encyclopédie, les billes glagla, ok. Donc, du coup, on va s'abaisser. Dis-moi que c'est le premier. Oui, libellule glagla. Cette libellule aime les endroits frais et ses ailes de bleu translucide contiendraient des agents thermiques faits de la cuir pour que la remède permette de résister à la chaleur. Ben, en fait, dans un endroit frais, c'est pas frais pourtant ici. Hein. Le soleil tape fort comme pas possible. Tellement qu'il tape fort,
Limite, ça pète les yeux, donc je vois pas ce qui pourrait être frais, honnêtement. Mais bon. Alors, si, peut-être la nuit en général dans un désert, c'est très frais. Enfin, dans le sens, on passe dans des températures de 50 degrés d'un coup à zéro, voire peut-être un peu plus, des fois. Enfin, un peu moins, du coup, on se comprend. Mais ouais, donc peut-être c'est ça le côté un peu réalisme. Mais bon, là, je vous avoue qu'en pleine journée, je doute qu'il fasse frais, quoi. Hein, je doute qu'il fasse frais. Tac 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 tac. En tout cas, j'aime beaucoup cet endroit. Honnêtement, j'adore cet endroit. Je le trouve magnifique. Ouais. Donc, souvenez-vous, on avait trouvé une noix korogu là-bas au fond. Donc voilà. J'adore par contre, pour monter là-dessus, en fait tu peux monter par là, par là, par là, par là. Ben, honnêtement, vu que c'est dans notre zone, on va quand même le faire. Ça, on sera un petit peu tranquille. Pas tout en haut, évidemment, peut-être, mais en tout cas, aux endroits où on peut. Voilà, première partie. Une deuxième partie. Une troisième partie, parce que même là il peut y avoir des korogu quoi, donc faut faire très attention. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas grand chose malheureusement. Alors on peut aller là, mais je trouve ça très haut. Après je pense qu'on pourra peut-être on peut se poser là dessus il y a pas mal de petits endroits qu'on peut se poser. Alors, est-ce que c'est réaliste dans le sens, est-ce que dans les endroits un peu désertiques comme ça dans la vraie vie, est-ce qu'il y a ça? À mon avis oui, parce que si l'on intégré dans le jeu, c'est qu'il y a une certaine petite logique derrière, mais voilà, j'aimerais bien la comprendre cette petite logique, honnêtement, de mon côté. Oh, sanctuaire à proximité, t'es sérieux? Oh oh, j'ai voulu être un peu trop ambitieux par contre. Hein. Alors, sanctuaire à proximité, je voudrais bien, mais je vois pas où précisément. Vous avez craqué, il n'y a aucun sanctuaire à côté. On va se retrouver dans la mer. Non, on va tomber, non. Oh oh, oh bah super. On a failli mourir. On a failli crever. Alors, par contre, j'ai été con parce qu'en fait, on peut se poser là. Il faut vraiment que j'analyse, par contre, hein, sur les appuis. Voilà, j'arrive ici. Non, on peut pas se poser là. Oh, mais c'est pas gentil. Attendez. Voilà, on va monter directement là-haut comme ça. Ce sera peut-être un peu mieux. On va y aller tranquille. Hein. Donc... Sanctuaire à proximité, ok, bah alors mais je vois pas où précisément, alors peut-être dans la nouvelle zone du coup, enfin dans cette zone là. Sanctuaire à proximité, c'est certain que c'est en haut en fait. Hein. C'est certain que c'est en haut. J'aurais pu tenter, mais je pense. On va pas le tenter. On va pas le tenter, sachant que là on a qu'une accroche maintenant. Une, deux et trois. Voilà. Donc sanctuaire à proximité, mais à mon avis c'est là-bas, c'est dans une zone qui n'est pas trop accessible pour. Enfin. Qui nous est pas trop accessible pour le moment. Ah non! Mais il est là! Mais c'est chez nous ça, non? Mais c'est chez nous! Le sanctuaire est là! Ok. Attendez, mais c'est chez nous ça aussi! Mais attendez, mais on va y aller! C'est complètement chez nous, c'est une montagne, mais laisse tomber quoi! Oh, s'il n'y a rien au-dessus, si je comprends pas. Hein. Alors attendez, par contre, s'il y a un Little Rock, je suis pas prêt, hein. Oh, c'est sûr que c'est un Little Rock. Genre, ça, ce serait. Je suis sûr. Alors, on peut pas vérifier avec ça, malheureusement, pour le moment. Mais je suis sûr que c'est un Little Rock. Donc, vous savez quoi? On va direct. Bon. On va là. Est-ce qu'on l'enclenche? Et on a quand même le grand boomerang. Allez, viens ici, petit Little Rock. S'il y a ça, c'est pas pour rien, je vous le dis. Ouais, voilà. Genre, une grosse montagne et tout. S'il y avait pas de Little Rock, je me serais coupé une couille, mais ça va. Allez, Stone Talus. Donc par contre du coup, vu qu'on s'est emmerdé pour monter là dessus, on va quand même sauvegarder, on sait jamais. Allez. Le monde est margonite, ok. Oula. Ok, sorry. Et maintenant, à nous de jouer. Avec le grand boomerang. Allez. Allez. Allez, allez, calme-toi, 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 calme-toi. Oh, par contre, beaucoup de vie, hein. Ouais, bon, c'est pas fameux. Ah. Oh. Il reste la moitié de la vie, allez. Bon, du coup, c'était sûr.
Mais bon, voilà, on va le laisser se réparer un petit peu. On va récupérer quand même les petits Gemnox. S'il te plaît. Oh, what the fuck? Ah bah super. Oh le bâtard. Allez. Merci. Le Litorok s'il te plaît. Allez. Et maintenant un autre jouet. Je pense que là ça suffira. Ce coup là. Si on avait plus de stamina, on aurait peut-être pu faire des miracles. Mais malheureusement on peut pas faire des miracles. Et voilà, on a réussi. Stendhal est battu. En tout cas celui là il est battu. Du coup, bah écoutez, oui, plein de choses. Oui, bon, bah. Alors, malgré qu'on n'a pas récupéré de Noakorogu aujourd'hui, pour le moment, on aura fait quand même une Stuntalus, et ça, c'est énorme. C'est même limite mieux. C'est con, hein, mais c'est limite mieux. Oui, on l'a vu, le sanctuaire. Mais c'est limite mieux, tout simplement, parce que. Oh, il y a d'autres arbres et tout. Oh, mais what the fuck. Ok. Mais ouais, c'est limite mieux, tout simplement, donc voilà quoi. Donc ça veut dire qu'en fait j'ai quand même pas le choix de monter là-dessus parce qu'on sait jamais. Il peut y avoir des Noakorogu, vous voyez. Des petits coquins, ils peuvent peut-être cacher des Noakorogu ici. Mais je n'en vois pas. Oh. C'est des papillons. Papillon Glagla. Ok. L'entrée intégrée dans la cyclopédie, papillon Glagla. Papillon Glagla, c'est Zekai Poudroie. Et ont le pouvoir de refroidir l'air, faites cuire avec des matériaux de monstres pour obtenir un remède en vous aidant à supporter la chaleur. Ça ressemble vraiment au papillon azur dans Skyward Sword. C'est quand même assez fou. C'est peut-être exprès, c'est peut-être une référence que je n'ai pas encore. Enfin, si, que j'ai du coup saisi. Mais voilà, c'est bizarre. C'est bizarre, je vous avoue que c'est un peu chelou. Pour le moment, il n'y a pas grand chose. En fait, il n'y avait pas grand chose hein, pour le moment autour de ça. On a été là-dessus, oui. En tout cas, ravi d'avoir affronté un Stuntalus encore. Bon, au moins, on l'aura enregistré déjà. C'est déjà bien. Donc, on a déjà, on va dire, sauvé l'honneur de l'épisode. Ah, pas tellement les affronter, mais surtout. Enfin, si, on n'aura pas le choix. Mais on va dire que c'est aussi les découvrir, vous voyez. Donc, en découvrir, c'est déjà très bien aussi. Donc. La meute des bêtes ici. Pendant que le temps est en train de se gâter. Ok. Alors, vraiment, cette zone, elle est gigantesque. Hein, cette zone aride. Elle est gigantesque. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pas qu'il y a un autre Stuntalus ici, hein. Non, c'est pas possible, il peut pas y avoir. Il y a jamais eu de Stuntalus. Les uns à côté des autres, si. C'est pas une Stuntalus, ça. Parce que ça fait très rappeler à un Stuntalus, hein. En gros, un Litorok, hein. Je pense que ça, c'est un Litorok, hein. Je vous le dis, d'entrée de jeu. On va quand même aller jeter un petit coup d'œil, mais. Ça sent le Litorok, ça. Oh, par contre, on va où, là? C'est quoi cette zone, là? Ok, il y a trop de choses, il y a trop de choses. Alors déjà, on va peut-être le déclencher comme ça. Écoutez, ben, vu qu'on est dans le move, on va. Alors, non, ça sera pas ça, à mon avis, c'est ça. Allez, viens ici, le Stuntalus. Ah non, ce n'est peut-être pas un Stuntalus du coup. Si ça se déclenche pas, c'est pas un Stuntalus. Mais pourquoi avoir fait une zone comme ça alors? C'est chelou. Alors si, peut-être il y a une Stuntalus ici. Alors c'est peut-être lui en fait. C'est peut-être lui en fait. C'est ça? Non. Bah pas de Stuntalus. J'aurais cru vraiment que ça aurait été une Stuntalus. Oh le bâtard, il s'est enfui. Alors du coup là, ça par contre ça coupe dans la zone. Je vois pas où ça nous emmène ça. Après on peut monter là-dessus. Il faudra monter là-dessus de toute façon. Oh bah voilà, une deuxième Noakorogu. Enfin une première pardon, première de l'épisode. Donc écoutez les amis, c'est parti. Ici toi. Et voilà. Yes, on a sauvé l'honneur de l'épisode en fin de vidéo. Non, tu m'as trouvé Noakorogu. C'est petit là que vous avez donné un Korogu. C'est un peu fort, mais il n'est pas encore trouvé beaucoup. Pour très bonheur à la revoyeur. À la revoyeur. Bon, ben ça fait plaisir. Voilà.
Une noix Korogu supplémentaire, donc pile dans notre zone encore, donc ouais. Wow, par contre, on n'a pas fini. L'exploration de cette zone, les amis, est assez gigantesque, honnêtement, donc on n'a pas fini. Alors ça, à mon avis, c'est des gemmes Nox, je pense. Ouais, gemmes Nox, gemmes Nox. Ça serait bien de les casser maintenant, mais on n'a pas le truc adéquat pour les casser, il me semble. On n'a pas le truc. Je veux pas user des armes et tout pour les casser maintenant. Parce qu'on en a tellement besoin avec les Sun Talus et tout que ce serait honnêtement un peu compliqué sinon. Oui, le sanctuaire, je sais où il est, je sais où il est. Patientez 2 minutes, hein. Bah, il est là. Bon, on va pas le faire aujourd'hui. Je pense qu'on se le réservera du coup dans l'épisode dans l'épisode prochain. Tout simplement. Oh, mais il y a encore ces arbres là. Oh, mais il y en a encore plein. Enfin, plein. Faut que je dose, mais il y en a encore quand même. Hein. Ok, 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 ok. Donc, c'est pas la fin de ces arbres là encore, hein. Et notre tour, elle est là-bas au fond. À activer. Ok, bah écoutez. Donc il y a quand même le sanctuaire qu'on ira faire dans l'épisode prochain. Je veux juste voir un petit peu s'il n'y a pas de Korogu aux alentours, vous voyez. Il peut y avoir des petites noix Korogu, enfin des petites noix Korogu aux alentours. Donc on sait jamais, ça peut servir. Bon, du coup, ça veut dire qu'on n'a pas été. Ouais, on n'a pas été vers là, mais. Pour un overlocker net, c'est quoi ce truc? De toute façon, on pourra revenir derrière. Violet tempo, c'est bien des violet tempo. Bon, ça me rassure un petit peu, du coup, je suis pas fou. Je suis pas fou. Ok, en fait, du coup, cette zone, c'est beaucoup les terres arides et ce côté-là, en fait. Et après, du coup, on repart sur du classique, on va dire, sur du neutre. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a un autre sanctuaire là-bas, qui est, à mon avis, dans notre zone aussi, donc ça fait plaisir. Ok, donc en fait, là, on peut vraiment voir une pratiquement toute la zone. Tant mieux, hein. Alors avant d'y accéder, parce que je n'ai pas envie de déclencher la cutscene en me disant sanctuaire de machin chose, je veux juste voir si est-ce qu'aux alentours il n'y aurait pas de Korogu. Mais j'ai pas l'impression. De toute façon, ce sanctuaire on n'ira pas par ce côté là. On ira par ce côté là-bas, vu que là-bas j'ai l'impression que c'est l'entrée en fait. En plus, il y a carrément un truc pour se poser donc. Vous savez quoi? Ben voilà, je sais où on m'a arrêté donc. Oh, par contre, on va éviter d'activer la zone de load. Voilà, la zone de load, on va éviter de l'activer, mais. Par contre, on peut peut-être monter là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Oh! Non, mais Link, fais un effort quand même. Fais un petit peu d'effort. Allez. Ok, donc. Bon, après, y a rien ici. Oh! Il y a une noix Korogu là-bas en fait. Ok! Bon, bah, du coup, vous savez quoi? Oh, mais il y a quelqu'un aussi! En fait, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Bon, bah, du coup, les amis, bah, vous savez quoi? Je pense que c'est d'ailleurs le meilleur moyen de s'arrêter. On va s'arrêter à côté de cette noix Korogu qu'on n'aura pas encore faite. Comme ça, dans l'épisode prochain, on pourra sauver à la fois bah, l'honneur de l'épisode avec la Korogu. Et ensuite, du coup, bah, le sanctuaire, tout simplement. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode. Et je vous retrouve, du coup, dans l'épisode prochain. Avec, du coup, bah, la suite de cette aventure. Donc, dans l'épisode numéro 159. Sachant que, du coup, bah, vous avez vu, on a commencé avec explorer ça, on ira quand même finir finir la boucle ici. Et puis une fois qu'on aura fini la boucle ici, je pense que on continuera dans ces terres jusqu'à arriver ici. Et une fois qu'on arrivera ici, on coupera comme ça. Et puis après on fera tout simplement le contrebas avec en bas tout simplement avec les fameux arbres un petit peu zarbi honnêtement. Donc voilà. Donc merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode. Et je vous retrouve. Alors je vais me quitter devant, pas totalement devant parce que j'ai pas envie de déclencher l'épreuve, mais voilà. Donc on se quitte comme ça. Et du coup bah d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.